Hey et donc salut à tous les amis, c'est gogo 08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 sur notre Let's Play Modé saison 11 euh, et notamment sur le mode pack FTB Révélation. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire Alors j'en ai marre d'aller miner pour trouver des euh, ressources. Donc on va se faire un petit. Enfin, un petit objet, un petit... Une petite machine. Donc une machine pour nous miner à notre place. En, en attendant de faire d'autres... Euh, D'autres machines. En fait, si vous voulez, sur ce let's play-là, je vais essayer de vous montrer un peu... Enfin, pas mal de modes. On va essayer de faire un pas, À peu près, enfin, pas tous les modes, parce qu'il y a des modes que je n'aime pas trop sur ce mode-pack-là, notamment les abeilles. Euh, je suis pas du tout fan des abeilles, mais peut-être qu'on s'y penchera un jour, pourquoi pas. Mais euh, comme vous pouvez le voir, en fait, on avait, on a déjà vu en fait euh, ce euh, système de stockage d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je pousse un peu mon coup de gueule sur euh, l'épisode du stockage. C'est euh, que des personnes ont mis. Euh, on, c'est la première fois que je crois que j'ai autant de pouces rouges sur. Euh, bon, je l'ai pas énormément hein, euh, sur une des vidéos. Et c'est surtout en fait, ça me. Enfin, c'est. Ça ne me blesse pas d'avoir des pouces rouges, au contraire, ça, 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 aide à, ça nous aide à nous améliorer. Euh, mais le seul truc que j'aimerais, c'est si quelqu'un met un pouce rouge, et il a le droit de mettre un pouce rouge, si ça ne lui a pas plu, c'est de mettre quand même une petite justification dans les commentaires. Au moins, je sais c'est quoi, quoi qui cloche, euh, ou où, où, qu où, où je devrais m'améliorer. Euh, toutes ces choses-là. Enfin bref, bon, c'est vrai, on ne va pas en reparler. Euh, C'est juste dommage en fait parce que je pensais vous montrer quelque chose qui peut être très très pratique pour les gens en début de game pour pouvoir stocker leurs items et les avoir à distance mais bon euh, des personnes ne sont pas de cet avis là euh, tant pis pour eux euh, je fais pas ça je fais pas mes vidéos pour eux je les fais pour ceux euh, pour les autres enfin bref euh, voilà coup de gueule passé... Euh on va donc j'étais en train de vous expliquer du coup qu voit, qu que dans cette saison-là en fait dans cette série Modella, là euh, notre let's play on, on, je vais essayer de vous montrer pas mal de systèmes assez petits assez pratiques en début de game qu'en euh, que en fin de game je pense qu'on pourra en voir à la fin de, à la fin de, en, enfin, en, fin de en fin de jeu mais notamment regardez déjà ce petit système de stockage là, en début de partie c'est très pratique, notamment avec cette, euh, cette télécommande où on peut avoir accès euh, partout. Aussi ce système là avec euh, ce petit système là qui prend du 3x3 et très peu d'énergie, pour pouvoir euh, nous faire une ferme à latex euh, bah, de, de manière de matière automatique, et donc voilà, donc moi ce que je vais prendre, je vais reprendre mon flux point, euh, je vais le reposer ici, je vais le reposer juste derrière, ou sur le côté, je ne sais pas, ou alors juste au-dessus. On, on va remettre le flux point, non je ne sais pas s'il est connecté, non il n'est pas connecté, on va le sélectionner, voilà. Euh, voilà, on va juste le, le remettre pour qu'il euh, transfère de l'énergie, voilà c'est bon c'est fait. Parce que le Petrified Fuel Generator qu'on a fait donc, euh, de cela l'épisode dernier, on va en avoir besoin aujourd'hui. Ok, alors aujourd'hui on va retourner sur le mode RF Tools et on va aller voir le Builder Block. Le Builder Block peut être très très pratique en début de game pour pouvoir avoir des ressources. Alors si on regarde Builders euh, Block, non Builders Builder, ah non c'est juste Builder, pourquoi Builder Block Le Builder du mode RF Tool qui est euh, plutôt simple à crafter, on va dormir aussi, euh, je vais vous expliquer en même temps de dormir. Euh, qui est simple à crafter et qui est très très pratique. En fait le builder block, enfin le builder euh, du mode des ref peut être utilisé pour plusieurs choses. Notamment pour construire pour construire, pour euh, creuser des salles, mais aussi en tant que euh, en tant que euh, query. Et nous c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, hop, on va regarder. Donc il va falloir qu'on crafte un, une machine frame. Est-ce que j'ai de la clé ou des bricks Sinon, Moi j'ai pas de, j'ai pas de briques et est-ce que j'ai de la clé? J'ai de la clé. On va prendre euh, voilà, de la clé euh, avec nous, tac tac tac, voilà, et on va pouvoir se crafter euh, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, en attendant que euh, ma, clé se, euh, ma clé cuise pour me faire du, des briques, on va aller voir. Euh, Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre à, 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 à part ça En fait, il va vous falloir le builder, mais il va vous falloir aussi une shape card. La shape card, on en a plusieurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire plusieurs trucs. On a la shape box, on a la shape card de void. Celle-ci, celle-ci, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Je l'ai jamais trop utilisé Mais on a la shape card query. La shape card query, on en a plusieurs types. On a celle de query, celle qu'on va faire au tout début. On a celle la silk query. En gros, celle-ci va faire du silk touch, euh, et donc on va pouvoir Récupérer euh, les par exemple le diamant, tout ça en forme euh, de bloc. On a la fortune query, donc là il y a déjà un effet fortune dessus. On a la clearing query, elle fait un gros trou sans remplacer les blocs. Euh, contrairement à la query, elle euh, remplace les blocs cassés par de la terre. On a donc la clearing silk query. On a en fait le clearing, on l'a en plusieurs modes, donc les deux modes, la silk, la normale, enfin en trois modes, la normale, la silk. Et la fortune. Après, on a d'autres choses. On a la shape card pump. Donc celle-ci va euh, pomper l'eau. Celle-ci va euh, enlever les blocs et récupérer l'eau. Et celle-ci va placer de, du liquide. Donc pour faire des grosses piscines, des choses comme ça. Ça peut être très pratique. Donc voilà, on a nos briques. On va faire nous la chip card, euh, la shape card query. Donc pour ça, il va nous falloir encore de la clé. J'ai pas vu ça, mais <laughs> il va nous falloir encore de la clé. Je sais que vous voulez un peu plus d'ellipses, mais après si je fais trop d'ellipses, vous allez plus rien voir dans les épisodes. Et j'aimerais quand même vous proposer euh, plusieurs choses. Euh, donc voilà. Donc il va nous falloir euh, Il va nous falloir cette card là. On va pouvoir la crafter peut-être. Si j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, c'est bon. Hop, donc la chef card de base, qui est la chef euh, la card avec laquelle on fait tous nos. Euh, toutes les autres shape cards comme vous pouvez le voir, ensuite il va nous falloir donc une pelle en diamant, c'est bon, il va nous falloir Oups, une diamond pickaxe, c'est bon, et maintenant euh, Et maintenant ça, s'il te plaît S'il te plaît Il veut pas S'il te plaît, voilà Ok, chepcard card query, on va récupérer nos briques, voilà, on va retourner voir le builder et vous allez voir comment notre euh, Petrified Fuel Generator va nous être très très utile avec ce que je vous ai expliqué en fait dans le euh, dernier euh, épisode. Ok, il va me manquer une perle, Donc euh, je vais aller attendre la nuit et on veut, je vais aller farmer un peu les perles. Bon, j'attendais la nuit, je faisais un petit tour sur mon euh, système euh, de stockage. Et en fait, c'est vrai qu'une fois, j'avais récupéré ça sur un Enderman quand je l'ai tué. Et regardez, si on fait ça, on obtient 3 Underpearls. Donc, je vais l'utiliser pour avoir euh, des Underpearls. Voilà, on a 3 Underpearls. Je vais pouvoir donc faire mon Builder. Ok, donc on a le Builder, on a le Petrified Fuel, on a la Shepcard card Query. On va peut-être se refaire un Modular Storage. Je pense que ça pourrait être euh, plutôt pratique, donc on va regarder modular storage. Pourquoi j'ai envie de faire un modular storage Tout simplement parce que en fait, le modular storage peut contenir 300 stacks d'items. Euh, 300 stacks stack d'items, c'est énorme. Euh, parce que 3, euh, 300 stacks d'items par rapport à par exemple un small storage, c'est beaucoup plus. Si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Tout, tout ceci nous fait un... Ah, donc, oui, <laughs> mon, c mon mon logiciel de... Enfin, de, mon, mon OBS, euh, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, en fait. J'ai ouvert la calculatrice pour calculer, le vous savez, le nombre de stacks ici. Et sauf que j'ai appuyé sur une touche qui coupait mon enregistrement et j'ai pas remarqué. Donc oui, donc ça, ça fait 117 stacks à peu près. Donc ce qui n'est pas équivalent aux 300 stacks d'un modular storage avec une, une, un storage module de tier 3. Donc oui, j'ai crafté avec vous la tier 3 storage module mais vous l'avez pas vu du coup. Euh, donc voilà. Donc je disais donc qu'on allait se retrouver dans le monde minage. Euh, on va se mettre à un petit endroit euh, plutôt pratique. Je pense qu'on va qu'on va se situer pour l'instant sur un petit chunk. Un chunk, ça devrait être suffisant. Euh, avec nous, on va prendre du charbon. On va essayer de faire euh, peut-être des blocs de charbon. Euh, parce que c'est le plus utile, comme on l'a vu euh, le dernier coup. Donc, on va en faire combien On va regarder pour pas trop manger. Voilà, 32, 32 blocs de charbon, ça devrait suffire euh, dans un début. Il nous reste très peu de charbon, mais on va essayer d'en récupérer pas mal avec cette query-là. Euh, donc, voilà. Donc, on va se retrouver juste après euh, dans le monde minage. Donc voilà, de retour dans le monde minage, enfin de retour, on y va juste. J'ai activé les chunks et je pense qu'on va se mettre dans ce chunk là euh, pour pouvoir miner. Donc la chose à faire, c'est euh, de placer le, votre builder. Donc vous le placez où vous voulez, vous pouvez très bien le placer juste à côté de votre portail mais, ou, ou alors juste ici. Moi ce que je vais le faire, je vais le poser euh, à peu près ici. Je vais lui mettre le Petrified Fuel juste à côté. On ne va pas l'activer tout de suite. On va prendre la shep Card. Enfin, avant ça, on va prendre le Modern Storage qu'on va placer juste au-dessus. Voilà. Donc, vous voyez euh, qu'on a un petit mode euh, qui s'est activé. En fait, c'est le mode, c'est sur le Builder, normalement. On va mettre le tier 3 dessus. Voilà. On va ranger en Grid. OK. Et là, on va faire un Shift-clic droit juste ici. On va faire un clic droit là. Voilà. Et on va faire un. Vous, en fait, l'erreur à pas faire, c'est de faire un clic droit là. Et là, vous vous dites, cool, c'est bon. Euh, on, va, on va se faire ici un. Euh, attendez. Que je retrouve. Box, voilà. Un box en solide. Vous avez tout. Donc, vous, vous pouvez voir, en fait, ici, le box que c'est. Vous pouvez aussi dire, non, je ne veux pas récupérer la cobble, je veux pas récupérer la stone, je ne veux pas récupérer la dirt. Euh, et toutes ces choses-là, ça je vais les récupérer, parce que j'en vais en avoir besoin, euh, et ici vous avez, vous avez donc les coordonnées, vous avez donc les coordonnées, donc la dimension qui est de 16 par 16, donc ça on est d'accord, qu'en fait, on est sur un chunk, donc ça fait 16 blocs, de, 16 blocs par 16 blocs, mais sauf qu'on a mis un seul, un seul de, euh, de rayon, enfin de, de profondeur, vous avez bien vu qu'on a pris ce bloc-là, et ce bloc-là, là, si je le mets en place, en fait, lui, il va miner Juste la partie de grâce juste au-dessus. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est que ça mine jusqu'à la bedrock. Donc, pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première solution pour être sûr, c'est de miner vous-même jusqu'à la bedrock et de faire en fait. Regardez, on va recommencer, on va faire un shift clic droit là, on va faire un, cl un clic droit là, et en fait, c'est ici, aller miner. On va aller miner, on va descendre comme ça euh, jusqu'à la bedrock. Donc, c'est dangereux, oui, on le sait, on a un seau d'eau pas loin de nous. Voilà, on a un seau pas loin de nous. On va prendre des blocs aussi, pas loin de nous. C'est d'aller miner en fait jusqu'à la bedrock comme ceci, et donc euh, faire un clic droit. et Vous allez voir en fait, vous allez avoir des coordonnées. Ces coordonnées là, vous pourrez les garder pour les prochains euh, pour les prochaines fois que vous allez miner un autre chunk ou plusieurs chunks d'affilée. C'est à vous de voir. Vous allez pouvoir les euh, garder ces chunks là. Enfin, surtout les dimensions, je vais vous les montrer juste après qui vont être très très utiles. J'entends la lave pas loin. On va faire attention quand même de ne pas tomber dans la lave. On est couche 8, donc on devrait bientôt arriver à la bedrock. Euh, voilà, on est à la bedrock. On va faire un autre clic droit. Euh, bah, ici. Voilà. Et là, si on fait ici, on voit déjà notre cube est beaucoup plus grand. Euh, ici, on a 17 000 blocs à miner. Et on a les dimensions. On a 69 blocs à miner. Et ici, on a un moins 35. Ce moins 35 là, c'est 69 et moins 35. Euh, je serai vous, je les garderai en place tout simplement parce qu'ils vont être très très utiles euh, pour la suite. Alors on va, on va remonter et je vais vous montrer euh, comment ça mine juste après. Donc voilà, une fois qu'on est en haut, on peut regarder donc 69.35, cela on va les garder. Euh, tout ça je veux les garder à part la stone, euh, la cobble et la dirt. On va refaire un clic droit sur notre builder. J'ai oublié de faire un truc, c'est un levier. Est-ce que j'en ai en rab Non. Est-ce que j'aurai un stick en rab Oui. Un de cobble en rab Oui aussi. Voilà. On va se faire un petit levier parce qu'on va avoir besoin d'un levier pour le faire fonctionner. Alors, la chose à faire aussi, c'est de lui mettre du charbon. Ça va me produire de l'énergie et ça va me remplir ce euh, mining-là. Ce qu'on peut faire aussi, en fait, c'est normalement, on peut faire voilà, un visualise et normalement. Et normalement. Pourquoi ça fonctionne pas <laughs> Normalement. Euh, Red Sun, on a le redson mode. C'est vrai que ça a changé. On a. Ah d'accord. On a un visualise quand il fonctionne. Euh support preview ça doit être ça voilà en fait c'est pas le c'est pas celui-ci c'est pas le highlighting que vous regardez c'est le support slash preview mode enable et là vous pouvez voir en fait qu'on a un style de support block ici qui est activé et on voit en fait que donc cette partie là va être minée donc si en fait vous allez voir qu'à la fin que la query ben non parce que là c'est pas, enfin, pas une clearing, une clearing query c'était une query de base mais si ça aurait été une, une clearing query et que vous après vous aurez pu mettre le support mode vous aurez pu voir en fait que c'était que des supports blocs euh, et donc que ça a bien miné jusqu'au bout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va activer tout ça vous allez voir en fait il a remplacé la dirt par de la terre parce que lui il aime pas. Il le fait chunk par chunk. Donc il va faire chunk par chunk. On le... Pas chunk par chunk. Ça prend énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai mis du coal. Là au début il est rempli d'énergie. Mais après ça va miner beaucoup plus lentement. Et vous allez voir directement si on rentre dans notre euh, modular storage. On voit qu'on n'a pas assez de, de power. On voit qu'il qu est en level 59. Qu'il est sur le chunk 0 sur 4. Bon ça on s'en fiche un peu du chunk. On entend qu'il mine encore mine pas mal ça, ça produit du 800 rf par donc c'est plutôt cool euh, ça va y aller tout doucement euh, il consomme je, euh, je sais plus où on voit combien il consomme euh, c'est pas, pas dit en fait combien il consomme mais euh, ça consomme ça consomme quand même pas mal ça consomme plus de plus de 800 rf par mais c'est plutôt pratique donc moi ça va me ramener euh, tous ces blocs-là, donc regardez, ça, ça mine quand même plutôt rapidement. Pour une première query, c'est euh, pratique, tout simplement parce qu'on va avoir du coal. Regardez, on a de l'aluminium, on a du beryllium, on a du copper, déjà presque un stack de copper, presque un stack de coal. On a du de l'iridium du de l'iron, mais on a aussi de la limestone, des blocs normaux. Mais euh, on n'a pas récupéré, comme vous pouvez le voir, on n'a pas récupéré la dirt, on n'a pas récupéré le euh, la cobble. Tout simplement parce que dans la chef-card, je lui ai dit que je voulais pas la récupérer. Donc voilà. Donc moi, ce que ça va faire, en fait, c'est euh, que ça va me... Enfin, euh, miner tout ça petit à petit. Euh, ça va miner tout ça petit à petit jusqu'à temps que j'ai euh, bah assez de... Comment dire Quand ça, ça aura fini. De toute façon, ça va me le dire. Là, ça me dit not enough power, mais après, ça me dira que, que c'est terminé. Euh, tout ça va être stocké dans mon modular storage. Le modular storage, en plus, ce qui est cool par rapport à un coffre ou toutes ces choses-là, c'est que je vais pouvoir récupérer, boum, ma tier 3 storage module et partir, me euh, ramener tout ça dans mon euh, monde euh, overworld. Ici, on a notre petit euh, solar panel qui produit toujours un, un petit peu d'énergie. Ça va. On n'est pas énorme au niveau énergie, mais c'est déjà ça. Donc voilà, toi, l'araignée, tu meurs. Euh, et donc voilà. Bon. Du coup, je vais faire une petite télé, mais je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire en fin d'épisode. Euh, je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer, mais dans tous les cas, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était ma, euh, euh, bah, ma production de euh, production de minerai au tout début. Sachant que par la suite, on pourra en faire avec Environmental Tech. Mais on, on verra aussi, et j'espère qu'on verra, les, laser, les lasers de chez Industrial Forgoing. Donc là ça me produit de l'énergie, c'est vraiment lent. Je sais pas si on peut euh, booster la chose si je fais ça. Non, c'est dommage. Euh... Ouais, c'est dommage qu'on peut... qu ne puisse pas euh, euh, dire, tiens, tu produis plus si je te mets ça. Ça en plus. Non. Non, c'est vrai. Il y a peut-être des... Peut des upgrades, je ne sais pas, parce que ici on a des, des slots. À moins que ce soit des slots pour remplir en énergie. Là, ça m'a rempli de l'énergie. On peut... On peut extraire. Ouais non, ça remplit en énergie. Mais là, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert ici. Euh, sûrement à quelque chose. Hein. Euh, sûrement à quelque chose. Donc voilà. Bon, j'ai fait une petite ellipse et on va voir ce qu'on va pouvoir faire en fin de vidéo. Il nous reste plus longtemps. Donc à tout de suite. Bon, du coup. Euh j'ai regardé et je pense que ce que je veux faire prendra plus de temps que 5 minutes euh, donc on va s'en occuper dans le prochain épisode donc cet épisode là sera un peu plus court et durera 20 minutes au lieu de 25 c'est pas pour 5 minutes euh, donc voilà donc je vous ai montré euh, le la query on a fait donc pas mal de choses on a déjà vu pas mal de choses qu'on pourra faire en début de game euh, avec très peu d'énergie. Parce que, parce que tout simplement, vous allez me dire, mais si, mais le builder il prend pas mal d'énergie quand même. Oui, certes, mais je vous ai montré un petit moyen de faire pas mal d'énergie juste avec un seul bloc d'industrial foregoing. Ici, on a vu un petit système qui me prend un tout petit peu d'énergie, très très peu, mais on a un premier solar panel de tiers 1 qui produit très peu, dans les 500 RF, un peu moins. Donc voilà, ici on a ce système là, ça me produit. Pas mal de rubber, le rubber on va pouvoir s'en servir dans le prochain épisode. Parce que je pense qu'on va faire un petit, une petite ferme à mob. Une petite ferme à mob. Euh, je parle de mob passif, pas de mob agressif. Euh, de mob passif, comme ça on va pouvoir se faire euh, en début de game, encore une fois. Différentes choses. Par exemple le pink slime. Le pink slime qu'on pourra avoir l'utilité euh, par la suite pour nous faire les lasers mais aussi un autre objet, un autre item que j'ai envie de vous montrer qui est très intéressant euh, à voir euh, si vous voulez euh, différents blocs. Vous allez voir euh, ça dans le prochain épisode. Donc voilà, donc nous on va se laisser là-dessus. Notre euh, query tourne petit à petit, on a récupéré pas mal de choses pour le moment. Euh, nous ce qu'il va nous falloir c'est euh, du diamant pour pouvoir upgrade ça, mais pour aussi faire une, un autre système. Euh, de production de minerais euh, donc voilà donc on a pas mal de col je j'alimenterai en col petit à petit tout simplement il faut que ça m'en produise ici euh, donc voilà donc soir, moi je vais vous dire à la prochaine j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre un petit commentaire euh, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à activer la cloche et sur moi, je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye salut les amis on peut pas faire coucou si on peut faire coucou attendez salut on va le refaire encore une fois. Allez. Au revoir tout le monde.